Moïse, tu es où? Moïse. 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 Moïse, Moïse, tu es où? Moïse, tu es où? Moïse, tu es où? En même temps, je suis en train de chercher une personne. Dans son parcours, Moïse, tu es où? Moïse, tu es où? Moïse, tu es où? Moïse, tu es où? C'est toi, Moïse? Viens, tu t'appelles Moïse qui? Hein? Moi là, hein? Moïse, voilà, voilà. C'est pas ce Moïse que je cherche. Moïse, tu es où? C'est toi? Loteke. J'ai prononcé Loteke. Oui, Loteke, vous avez prononcé. J'ai cité Loteke. Oui, vous avez dit un jeune qui aime souvent les choses de Dieu, Loteke. Loteke. Moi, j'entends maintenant Moïse. Moïse Loteke. Moïse Loteke, viens, mon frère. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, prophète. Ah, toi aussi, tu es Moïse. Venez, je saurai c'est lequel. Un exercice facile qu'on peut donner à un vieux prophète comme moi. Toi aussi, c'est Moïse. Mais toi, tu ne t'appelles pas Loteke. Ndele. Hmm? Oui. Entre vous deux, il y a un Moïse qui a un ami qui s'appelle Victor. Je suis là. Come on, prophète. Donc, c'est celui que je cherche. Vous voyez, c'est un tout petit jeu. C'est tant, après on passe à autre chose. On ne va pas rester là en train de réfléchir. Oh non, tu vois, tu sens, je réalise. Ah ah ah. Un moment, il faut un prophétique rapide. Pam, pam, pam. On termine les choses, après on évolue. Les gens seront étonnés de comment Dieu va t'utiliser dans le prophétique. Un jour, tu as fait un rêve. Et dans ce rêve, tu as vu le prophète Joe Grass. Exact. Il était en train de te parler des choses que tu n'entendais pas. Exact. Après, tu étais en train de le suivre. Je vois, vous étiez en train de marcher sur cette route-là. Il y avait comme de l'eau de ce côté exactement, à droite. Exactement, exactement. Et après un moment, tu l'as vu, il a disparu. Yes, yes. Après, tu t'es réveillé. Yes. Tu as parlé à Victor. Oui. Tu as dit à Victor, est-ce que tu ne peux pas me mettre en contact avec le prophète Jogas? Exact. Après, il t'a dit, ce n'est pas facile. Yes. Je vais essayer, il faut aller à Delvaux. Yes. Après, tu as cherché, tu n'as pas su. Yes. Et tu as dit, je vais commencer à venir aux montagnes. Exactement. Et aujourd'hui, tu t'es réveillé à 4 heures du matin. Exactement. Tu as commencé à te laver. Et tu t'es dit que je serai parmi les premiers à arriver. Et quand je vais arriver, exactement, tu étais exactement sur la route. Après, yes, je t'ai vu prendre comme une sorte de moto où exactement tu étais en train de dire à Dieu, Seigneur, il faut qu'aujourd'hui yes on me parle. Yes, yes, après, yes, le motard était en train de te dire aux autres de côté Nina. Après, tu lui as dit, non, de prière. Après, Bokena et Atikyo Awa. Après, Okiti, Okoti Awa. Et pendant qu'aux autres côtés, Oyeba quitté que Mokola. Alléluia. D'ailleurs, quand tu es arrivé ici, il était 7h06. Quand tu es arrivé, tu fais partie des premières personnes qui sont arrivées en ces lieux. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que l'ange de l'Éternel t'avait déjà localisé. Et Dieu me dit de te dire, ton rêve est devenu une réalité. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse t'imposer les mains. Parce que le ciel de Dieu est ouvert. Dieu est en train de te voir. J'aime le Dieu qui voit avec des précisions. Tenez-le parce qu'il y a une forte gloire qui va descendre sur lui maintenant. C'est Rose 2021. Le Centre Chrétien de Transformation CCT organise la 14e édition de sa grande conférence annuelle dénommée C'est Rose, la conférence des élus du Rocher des Siècles. Orateur, le pasteur Matthew Hashimolo de KICC Londres, le prophète Joe Grass de la génération Joël Ménestro et de Kinshasa et la révérende Jeanne Monet, pasteur Hot. Thème, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Du lundi 1er au dimanche 7 novembre 2021, programme École du ministère de 8h30 à 12h30, soirée d'impact de 17h à 22h30. Lieu, siège des églises CCT à Marcory TSF derrière les PPTSF. C'est Rose 2021, le grand rendez-vous divin à ne manquer en ce dernier trimestre de l'année. Infoline 01 40 74 86 90 07 78 12.